Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo un peu spéciale parce que ce n'est pas du scrap, ce n'est pas une création, mais je voulais partager avec vous ce colis. Je suis depuis quelques temps, pas mal de temps même, une illustratrice, Caroline, qui est connue plutôt sous le nom de Caro from Woodland, je crois. Enfin, quand vous allez voir les produits, vous allez reconnaître. Et ça faisait un petit moment que j'avais envie de m'offrir ces livres, que j'avais envie d'avoir un mug, que j'avais envie de plein de choses. Et le temps qu'à chaque fois que je me décide, bah, c'était en rupture de stock. En tout cas pour les produits type mug, et elle ne réédite pas. Parce que elle a pris le choix que c'était des produits qu'elle faisait sous une certaine inspiration. Et que une fois qu'ils étaient épuisés, c'était pour laisser place à... Une autre vibe, j'ai envie de dire, une autre envie. Pourquoi est-ce que j'ai tant hésité? Parce que, mine de rien, ce sont des mugs qui coûtent assez cher. Et avec les frais de port, on en est quand même, je crois, autour de 30 euros pour un mug. Alors, vous allez me dire, si ça te fait plaisir, ça te fait plaisir. Ouais, ok. Mais j'avoue que, j'étais pas prête à franchir le pas. Et puis, en discutant avec mon mari, il m'a dit « Mais pourquoi tu cherches partout les livres ?» écoute, prends les livres en même temps, le mug, et puis fais un groupé, même si tu voulais plutôt une commande à Noël. Fais-le maintenant, puisque le mug de cet automne te plaît beaucoup. Et puis, je suis sûre qu'à Noël, on trouvera autre chose. Donc, je l'ai écouté, et je vous propose donc de faire avec moi l'ouverture du colis, donc de ma petite commande 100% sous maison. Donc, ça arrive dans un carton... par Colissimo. Alors le temps de préparation il a été d'une semaine à peu près et après l'envoi ça a mis 2 jours à arriver, 3 jours à arriver chez moi. Donc ça c'est le packaging du mug. Donc là vous avez la marque Caro from Woodland et donc ça c'est le design qu'il va y avoir sur mon mug qui est mug festival d'automne. Donc après vous voyez c'est quand même bien emballé, ça c'est très qualitatif, enfin il n'y a pas de problème hein. Et nous sommes enfin avec le mug qui est juste super beau. Nostalgie heureuse, c'est tout à fait ça. Et donc on a le même design recto verso. Et on a toutes ces petites feuilles, toutes ces nuances de couleurs. Il est juste trop beau et je suis trop contente d'avoir franchi le pas. Il est magnifique et j'aime beaucoup cette forme boule un peu. C'est le type de mug qui me plaît énormément. Je vais le ranger. Maintenant, autre problème, vais-je réussir à l'utiliser? Oh oui, pourquoi je n'y arriverai pas? Ensuite, bon, ça on ouvrira après, je pense que c'est des petits cadeaux. Et c'est trop mignon. Pardon. C'est quand même bien emballé. Et j'ai donc pris 2 livres. Donc c'est des livres qu'on peut tenter. Je dis bien tenter parce que moi j'ai essayé autour de chez moi, j'ai rien trouvé. Les avoir chez Cultura, mais impossible. Ça a été une catastrophe. Donc je les ai pris directement chez elle. Donc en plus elle vous les envoie dans un petit pochon. Ce qui n'est pas le cas, je crois, dans les boutiques. Hein. Je le vois toujours comme ça exposé. Ce sont des livres à 29 euros. Et vous voyez, ils ont été... je ne sais pas comment dire. Là, il y a une empreinte. Ici aussi. Et tous les petits motifs sont... avec un espèce de revêtement plastique brillant. C'est très sympa. Et je vous laisse lire ici, mais découvrez le guide de l'automne, à mi-chemin entre le journal, l'almanach, l'herbier, le livre de recettes, le manuel de bricolage. Mon automne cosy vous permettra de profiter de cette saison douce et magique. À lire sous un plaid accompagné une boisson, chaude et de petites gourmandises de saison. À lire sous un plaid accompagné, je pense qu'il doit manquer un dé, d'une boisson chaude et de petites gourmandises de saison. Donc là, on a une jolie petite carte. Voilà, avec la petite couverture. Quand on commande sur son site, on a un marque-page offert qui reprend
les illustrations du livre. Alors, ça ressemble à des pages, on va dire, en papier un peu recyclé. C'est pas du papier brillant. Alors, je sais pas si c'est un truc que vous appréciez. Moi, c'est vrai que je suis plus papier brillant. Mais pourquoi pas? Donc, je vous montre vite fait parce que bah, je vais pas spoiler son livre, mais vous avez des recettes. Vous avez, tout ce qui est dessiné, en fait, c'est surtout ça, sont ses illustrations. J'avais très envie de découvrir ça. Donc, ça, c'est mon automne cosy. Et donc, pour avoir les frais de port gratuits, puisque c'est à partir d'un certain montant, j'ai complété avec mon hiver cosy, qui est aussi très joli. Alors, c'est pas la même couverture, c'est-à-dire qu'il n'y a pas l'empreinte or, il n'y a pas. Mais c'est très bien. Donc, pareil, on a la petite carte, on a le marque-page, et on a. Là, cette fois-ci, on est sur un papier qui me plaît plus, un papier glacé. Ouais, c'est plus dans mon style d'ouvrage. J'aime bien ce que les couleurs ressortent vraiment. Alors que je trouve que sur un livre comme ça, c'est plus terne. Bon, c'est pas bien grave, hein, mais ouais. Je préfère quand même cette typologie-là, en termes de papier, ce typage de papier. Et là, donc, on va avoir toute la période de l'hiver et de Noël. Alors, je vous en montre pas plus, parce que c'est son travail à elle, c'est pas le mien. Donc, ça vous intéresse, faudra aller voir directement en boutique. Et donc là, bon, on va découvrir ce qu'elle m'a mis en plus. J'ai pas envie de l'abîmer. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai dedans? Donc, on a un sticker du livre du printemps, je pense. On a un petit mot. Et on a un thé. Un petit thé avec ici, c'est très mignon, un de ces petits designs repris et la forme du sachet de thé. Voilà! Bon, bah écoutez, je voulais simplement vous présenter ça, vous montrer les jolies petites choses qui peuvent aussi vous donner des idées de cadeaux de Noël, parce que c'est des choses très qualitatives. Et si quelqu'un aime le thé chez vous, ou aime les petites ambiances cosy, les petits livres sympathiques à ouvrir, et ben voilà, vous avez une petite idée pour ces fêtes de fin d'année. Moi, je vous abandonne là pour l'instant. On se retrouvera bientôt pour une prochaine vidéo. En ce moment, vous voyez, je vous fais plein de petites vidéos, j'essaye de me remotiver et de me rebooster, ça va être un peu compliqué. Comme je vous l'ai dit, je sors de. Ouais, j'étais malade. C'est pas compliqué, j'ai chopé le Covid, donc j'ai eu du mal à m'en remettre un petit peu. Puisque ce n'est pas un Covid virulent que j'ai eu, mais un Covid fatigant. Ça m'a fatiguée beaucoup, beaucoup. J'ai dormi, mais pas un repos récupérateur. C'était un repos plutôt obligatoire en télétravaillant. Donc c'était pas simple. Voilà, donc bah, je vous dis à très bientôt, je vous fais plein de bisous et puis n'hésitez pas à me donner vos idées, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous aimez, n'aimez pas, si c'est des choses sur lesquelles vous pouvez partir aussi comme petit cadeau, franchement c'est mignon et puis si vous aimez l'aquarelle, les illustrations, bah il n'y a rien de mieux quoi. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, bye bye!